Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver eh bien, dans cette nouvelle capsule. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Eh bien, nous entamons cette deuxième semaine du mois d'août. Quel est le message? Quelles sont les énergies pour cette semaine du 7 au 13 août 2023? Je continue à prendre pour cette semaine le tarot de Marseille. Je répète que le tarot de Marseille n'a pas la science infuse, mais il peut vous donner des pistes, ce tarot de Marseille, sur une problématique que vous rencontrez présentement, sur un questionnement, sur une décision à prendre. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour choisir votre carte et surtout poser votre question. Alors, quelle carte vous attire? La une, la deux ou la trois? Je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien j'ai pigé l'arcane sans nom à l'endroit. Malgré son nom, n'est-ce pas, et son illustration évocateur, on peut le dire comme ça, eh bien l'arcane sans nom ne signifie pas la mort physique d'une chose ou d'un être. Elle évoque le changement, la transformation et la renaissance. Certes, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de quelqu'un, mais uniquement dans le sens eh bien, où cette fin va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre de votre livre terrestre. Un chapitre qui sera certainement beaucoup plus important que les autres et qui sera certainement plus bénéfique. On vous invite eh bien, de mettre le passé derrière vous. Le passé, il est passé, on ne peut plus rien y faire, n'est-ce pas? Et on vous invite à accepter ces nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Il n'est peut-être pas évident pour certains d'entre vous de laisser le passé derrière vous. Mais vous savez, c'est indispensable pour que le renouveau et la transformation entrent dans votre vie. Résister au changement, eh bien, cela ne sert à rien. Ne pas accepter la fin de quelque chose ou de quelqu'un, cela pourrait vous causer eh bien, plus de souffrance émotionnelle que d'envisager ces nouvelles possibilités. C'est sortir de votre zone de confort et de prendre des décisions. Alors, sachez que cet arcane sans nom est accompagné de solutions constructives pour vous aider à passer ce cap. Cette arcane, elle vient vous dire qu'il y a des changements à faire. Raser pour mieux construire. Alors vous savez, parfois la mort indique que vous devez vous départir d'une ancienne habitude ou alors couper un lien toxique afin de vivre de façon plus épanouie. Et dans ce cas, eh bien, la mort vous invite à vous détacher des mauvaises habitudes, des excès, des vieux souvenirs, des vieux schémas. En fait, tout ce qui encombre inutilement votre vie.
votre esprit et vous empêche d'avancer. Le but est de cheminer vers plus d'accomplissement de soi, d'être mieux dans votre peau et dans votre vie. Alors, le passé, loin d'être renié, reste bien à sa place, mais derrière vous. Il n'est pas facile, n'est-ce pas, de fermer des portes, et là, c'est ce qu'on vous demande de faire, cet arcane. Il y a des portes à fermer, définitivement. Côté professionnel, cet arcane sans nom, c'est la carte du changement. Il vous faut vous préparer à toutes les éventualités. Cela pourrait être des changements majeurs dans l'environnement de travail, et cela pourrait affecter votre vie. Alors, ça pourrait vouloir dire peut-être qu'il y aura une restructuration, peut-être une nouvelle organisation, peut-être de nouveaux projets. Un virage, en tous les cas, s'annonce avec cet arcane. Et si le changement annoncé est de moindre importance, par exemple, un collègue, par exemple, qui part, ou un projet significatif qui se termine ou qui s'arrête, donc ça, c'est un changement annoncé, eh bien, de moindre importance. Alors, ces changements seront probablement peut-être une source de stress, peut-être voire de peur pour vous. Gardez à l'esprit, n'est-ce pas, que si vous n'avez pas la main sur ces changements, vous avez la main sur votre façon de les accueillir et de vous y adapter. Ces changements peuvent vous apporter des choses positives sur le long terme. N'en doutez pas, même si c'est difficile, n'est-ce pas? Même si c'est voire impossible de l'imaginer pour l'instant, dites-vous que cela sera très salutaire pour vous. Vous êtes dans une impasse où vous ne savez plus, où il y a des décisions à prendre, et là, avec cet arcane, on vous demande de prendre des décisions, et il y aura des changements qui ne seront peut-être pas agréables parce que ça va sortir de votre zone de confort. Alors, pour certains d'entre vous, si vous envisagez de changer de voie professionnelle, eh bien, avec cet arcane sans nom, c'est le bon moment. Cet arcane est de bon augure, n'est-ce pas? Vous êtes prêt pour ce changement. Et à la limite, vous êtes même impatient d'entrer dans cette nouvelle phase de votre vie. Alors moi, je vais vous dire bravo à la transformation, à la renaissance qui se profile en vous. Pour vous. Cet arcane avec l'amour. Pour certains, si vous cherchez l'amour, eh bien, cette carte vous questionne sur un point crucial de votre recherche. Est-ce que vos relations précédentes sont bien digérées? Avez-vous bien fermé les portes? Avez-vous bien fait ce deuil? Avez-vous fermé vraiment, vraiment les portes? Est-ce que vous avez le cœur et l'esprit véritablement libres pour accueillir une nouvelle histoire? Voilà la question qu'il vous faut vous poser. Avez-vous fait votre deuil de vos relations passées? Ou alors, est-ce qu'il reste encore des sentiments, peut-être des contacts, ou peut-être encore des espoirs? Cette carte, en tous les cas, elle indique qu'il est impératif que vous ayez
réellement mis votre passé amoureux derrière vous avant de pouvoir vivre une nouvelle histoire. Si cela n'est pas fait, vous ne pouvez pas aimer à nouveau. Maintenant, si vous êtes en couple, cette carte indique un changement est nécessaire dans votre couple. Et ce changement passe, eh bien, par la mise à distance du passé. Vous savez, ressasser le passé ne sert à rien. Si vous décidez de tourner la page et de redémarrer ensemble, alors il est primordial de laisser le passé derrière vous et surtout pas de remuer les vieilles rancœurs. Cela doit vous permettre d'avancer ensemble avec une meilleure communication et plus de compréhension mutuelle. Alors dans un couple, ce qui est le primordial, c'est le dialogue. Il est important. Le dialogue et pas le monologue. Il vous faut communiquer et ne plus remettre sur la table les vieilles, vieilles histoires. Dans ces conditions, votre couple survivra. Il est possible également pour certains d'entre vous que vous ayez l'impression que votre relation amoureuse difficile pour le moment, ne changera jamais. Dans ce cas, n'est-ce pas? Eh bien, cette carte peut évoquer de faire un break ou une rupture. À vous de voir hein, ce qu'il y a de mieux pour vous. Pesez bien en tous les cas le pour et le contre et voir ce que vous désirez et ce que vous ne désirez plus. Je terminerai en vous disant que le changement est une opportunité, n'est-ce pas, de faire mieux, d'être, eh bien, plus en adéquation avec vos besoins. Authentique et de vous mettre en adéquation avec le bonheur. Alors, profitez-en. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. On se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, je vous embrasse. À très vite. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 2, eh bien, j'ai pigé le pendu à l'endroit. Pour certains d'entre vous, les choses ne se présentent peut-être pas comme vous l'aviez imaginé et vous pourriez vous sentir empêché de vous réaliser. Peut-être vous sentez-vous frustré d'être si près du but recherché mais de ne pas y parvenir. Il t'est rappelé qu'il est parfois nécessaire, n'est-ce pas, de prendre du recul sur les événements de votre vie et de ne pas précipiter les choses car ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous. Vous avez peut-être d'autres choses, n'est-ce pas, à régler en priorité. En tous les cas, il y a des petits riens qui vous bloquent et qui vous leurrent sur la situation. Il est d'ailleurs possible que vous vous voiliez la face et que vous ne veuillez pas accepter certaines réalités. Maintenant, si vous souffrez de la situation, eh bien, on vous invite à vous écarter, à prendre de la hauteur et de déconstruire vos illusions
actuelles, vos illusions actuelles. Vous savez, à un certain moment, à trop vouloir en faire et être, vous ne pouvez pas être perdu dans les méandres de votre ego qui pensait devenir, voilà. Donc, on vous demande de rectifier votre ego. Alors, aujourd'hui, laissez-vous le temps d'accéder à de nouvelles compréhensions, à de nouvelles explications sur la situation qui pose problème. Ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien, c'est devant vous. Et c'est pour vous faire accéder à d'autres vibrations beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes. Si vous n'obtenez pas ce que vous désirez aujourd'hui, vous savez, cela importe peu car la récolte, eh bien, sera bien plus bénéfique dans quelque temps et ce ne sera pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Côté professionnel, pour certains d'entre vous, votre situation professionnelle, eh bien, elle est en pause. Exemple. Une promotion ou une évolution professionnelle attendue ne se matérialise pas. Vous restez dans l'attente et vous espérez ce changement, mais il se fait attendre. Il est possible également que vous mettiez votre vie professionnelle en pause pour consacrer plus de temps à votre famille, à vos projets personnels ou à votre développement spirituel, ou que vous ayez grand besoin de le faire. Pour celles et ceux qui cherchaient un emploi, ça c'était Plume, le pendu annonce un délai, une réponse qui se fait attendre. Alors il est possible que pour trouver le bon emploi, vous deviez renoncer à certaines exigences que vous avez. Peut-être que vous voyez le salaire trop haut, aussi peut-être question géographique. Ou alors, on vous demande de faire des concessions, donc peut-être revoir un petit peu ce que vous cherchez. Côté amour, sentimental, pour celles et ceux qui recherchaient l'amour, cet arcane vous indique de vous y prendre autrement. Oui, vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Il est temps d'essayer de nouvelles méthodes, n'est-ce pas, pour rencontrer celui ou celle qui fera chavirer votre petit cœur. Alors, changez d'habitude, changez de lieu pour les rencontres, voire changez de tête, pourquoi pas aller chez le coiffeur, etc. Le pendu vous invite à repenser votre stratégie et à innover. Voilà. Qu'est-ce qui cloche ? Lorsque je fais une rencontre, il est possible également que le pendu vous mette en alerte, sur vos attentes quant à la relation avec l'autre. Alors vous avez certainement à l'esprit une version plus ou moins idéalisée de la relation de couple du bonheur à deux. Est-ce que votre vision est réaliste ? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est possible? Si vous êtes en couple, est-ce que cette version, eh bien, est partagée? Cette carte questionne sur ce qui est le plus essentiel à trouver chez son partenaire et dans la relation d'amour. Et dans cette réflexion, n'est-ce pas,
vous pourriez être amené à sacrifier certaines de vos exigences pour trouver votre âme sœur. Maintenant, si vous êtes en couple, le pendu indique que les choses sont suspendues, elles sont en pause. Notamment si vous traversez des difficultés. Là, vous êtes spectateur de ce que vous vivez. Vous pesez le pour et le contre. Alors, est-ce que vous arrêtez cette relation? Est-ce que vous continuez? Est-ce que je suis heureux, heureuse dans cette relation? Est-ce que la relation, est-ce que je veux vraiment ou est-ce que je reste parce que j'ai déjà beaucoup sacrifié pour en arriver là? Ou pour ne pas être seule, me retrouver seule? Eh bien, cette carte vous invite au dialogue et à l'écoute de l'autre, mais surtout à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition afin de prendre eh bien, la bonne décision pour votre bonheur. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. On se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, moi je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien j'ai pigé le pape à l'endroit. Alors cette semaine, j'ai pigé toutes les cartes à l'endroit comme la semaine passée. La semaine passée, j'ai pigé toutes les cartes à l'endroit. Alors le pape à l'endroit, eh bien, il nous renvoie aux normes, n'est-ce pas, de la société et à notre positionnement face à elle. En effet, si le pape incarne les règles, eh bien, il incarne aussi le châtiment qui incombe à celles et ceux qui ne les respectent pas. Alors, comment vous positionnez-vous vis-à-vis de votre problématique actuelle? Agissez-vous de façon conformiste, c'est-à-dire bien dans cette belle énergie du pape, ou alors laissez-vous s'exprimer votre côté rebelle qui est complètement en opposition avec l'énergie de ce pape? Des questions que vous devez vous poser. Alors, on voit hein, que pour certains d'entre vous, eh bien, vous vous montrez un peu plus ouvert, vous montrez un peu plus vos sentiments, vous rentrez un peu plus en contact avec les autres, vous êtes beaucoup moins en retrait, on vous invite à accepter l'aide des autres. Ce que vous ne faites pas, a priori, ce que vous n'acceptez pas. Alors si vous avez des choix à faire, hein, faites-le avec le cœur, et ce sera le ou les bons choix. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous pensez peut-être à reprendre des études. Pourquoi pas faire un cursus? Vous ressentez vraiment le besoin d'apprendre et de comprendre. Et c'est de bon augure parce que c'est une belle période, n'est-ce pas? Pour d'autres, eh bien, vous pourriez enseigner aussi. Pourquoi pas? Vous avez tout ce qu'il faut pour enseigner. Ce pape peut aussi annoncer, eh bien, une cérémonie. Ça peut être une cérémonie religieuse ou civile. Pax, mariage, baptême, communion, enterrement.
au point de vue professionnel. Eh bien, ce pape indique que vous avez besoin de trouver votre place dans un groupe, que vous avez besoin de trouver votre place dans une entreprise ou dans un projet. Votre emploi est un excellent moyen de trouver cette place et d'être validé dans vos compétences par vos supérieurs. On vous invite aussi à respecter les règles dans la société où vous travaillez. Il pourrait aussi que vous ayez dans votre entourage, voilà, c'est ce que je voulais, je ne revenais plus. Il se pourrait que dans votre entourage, il y ait une personne qui pourrait vous coacher, qui pourrait vous aider dans votre carrière. Acceptez, parce que c'est vraiment salutaire. Acceptez l'aide de cette personne. Il y a une personne dans votre entourage professionnel qui peut vous aider. Eh bien, n'hésitez pas à lui demander conseil. Et pour d'autres, si vous envisagez de faire un bilan de compétences ou une formation, comme je l'ai dit plus haut, eh bien, c'est le moment. Vous êtes particulièrement bien réceptif à l'échange et à l'acquisition de nouvelles compétences. Voilà, nouveau projet, c'est de bon augure, faire un cursus, reprendre des études, l'école du soir, voilà, c'est très bon. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, d'apprendre, de connaître, avoir de la connaissance. Voilà ce qui dégage de cette carte. Et au point de vue sentimental, eh bien, pour certains d'entre vous, vous avez une très, 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 très forte envie de former un couple solide et de construire une relation durable. Eh bien, c'est pas négatif, n'est-ce pas? Vous pourriez trouver la belle personne. Vraiment. Elle n'est pas loin, cette personne. Elle est dans votre entourage. Il faudrait peut-être que vous ouvriez les yeux parce qu'elle n'est pas loin. Alors, si vous connaissez déjà cette personne, vous allez faire et mettre tout en œuvre pour que cette relation marche dans le temps. Et c'est une belle personne, donc c'est très positif. Par contre, si votre couple connaît des difficultés, eh bien, le pape indique que vous essayez coûte que coûte de sauver la relation. Coûte que coûte, vous essayez de sauver les apparences et de protéger vos enfants. Parce que vous vous dites que vous êtes engagé. Et pour sauver votre couple, il faut le vouloir, il faut être à deux. Il faut le vouloir à deux. Il faut une communication, il faut dialoguer, il ne faut pas qu'il y ait un monologue. Il serait peut-être bon de mettre sur table, ce qui ne va pas. Les difficultés que vous rencontrez présentement. Je peux vous dire qu'il y a encore de l'amour et vous pouvez sauver votre couple. Vous pouvez sauver votre relation. Mais il faut mettre de l'eau dans votre vin.
dialoguer, dialoguer, c'est la clé là, d'une relation, d'un couple, c'est la communication. C'est tellement important. À vous de voir, mais bon, ici, il est encore possible de sauver votre couple si votre relation, pour celles et ceux qui le désirent, parce qu'il y a encore de l'amour. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis passez une magnifique semaine. On se retrouve pour une prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à très vite.